Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Excusez encore une fois de plus, vous me voyez un peu débarbouillé. On n'a pas encore eu le temps d'aller nous faire raser. Bon, de toutes les façons, nous le ferons, mais nous avons quand même un petit message à donner. Donc, vous êtes sans ignorer que réaction, nous réagissons sur l'actualité dans ce qui se passe donc en République démocratique du Congo sur le sujet d'actualité, sur le sujet brûlant. Et réaction ici, nous donnons notre point de vue. Depuis que la guerre a éclaté, donc depuis depuis le 25, 22, le 23, le 24 du mois de mai jusqu'à la fin de ce mois-ci, nous avons constaté qu'il y a eu la guerre, il y a eu des turpitudes entre les gouvernements rwandais et le gouvernement de Kinshasa. Le M23 et tout ça, ça c'est un sujet d'actualité et c'est un sujet de sécurité de notre chère République démocratique du Congo. La réaction d'aujourd'hui, ça sera sur un point qui est un point commun de tout le monde. Mes chers amis, nous avons un problème en République démocratique du Congo. Ce problème-là, ce sont les individualismes. Nous faisons trop attention à notre pouvoir. Chacun veut réussir là où les autres n'ont pas réussi. Donc, c'est comme si nous faisons trop attention à nous-mêmes qu'aux choses de la République. Je vais en venir où? Les choses qui touchent l'ensemble de la République démocratique du Congo, nous ne les examinons pas tous dans la même direction. Chacun a son point de vue. Nous sommes en train de nous battre pour conserver le pouvoir, pour être des présidents. Nous voyons notre focus est sur les élections de 2023. Mais nous ne faisons pas attention à ce qui se fait, à l'amélioration de la situation de vie du Congolais. Ça ne nous préoccupe pas. Cela n'est qu'un marchepied pour casser que nous aussi nous atteignons le pouvoir. Et tout le monde est en train de réclamer qu'en 2023, Tshisekedi doit partir et tout ça. Le fondement, c'est quoi? Où est-ce que je vais en venir? C'est le point commun qui nous réunit. C'est ça que nous n'avons pas encore trouvé. Nous n'avons pas encore trouvé l'intérêt commun, l'intérêt commun des Congolais. Qu'est-ce que les Congolais se battent pour qu'est-ce que, quel est le combat que nous menons tous et que nous devons réussir tous, que le Congo doit... Notre Congo n'existe que dans nos têtes. Mais dans la réalité, nous sommes disparus, chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous nous arrachons ce Congo-là pour notre bien personnel. Mes chers amis, nous sommes ici en Afrique du Sud. Lorsque Covid a éclaté, le président Ramaphosa a réuni tout autour de lui toutes les tendances possibles. Il a appelé les gens en disant, venez, nous allons causer Congo, et disons plutôt l'Afrique du Sud, notre pays, parce que nous sommes menacés, voici, nous devons prendre des mesures. Et il a réuni, nous avons vu tout le monde venir tout autour du président, tout le monde, toutes les tendances confondues. Et ils ont parlé de leur pays et quelle est la solution qu'ils devraient prendre. Et c'est là où est sorti que non, ils vont prendre un task force qui sera dirigé par les spécialistes et qui commenceront. Ils ont fait un programme. Tout le monde était unanime sur ce point-là. Ils se sont mis d'accord. Ils ont laissé d'abord leur turpitude de leur différent de politique et tout ça en arrière. Et ils ont été focus sur la menace qui menaçait la République. Mais chez nous, quel est le cadre constitutionnel? Quel est le cadre? Qu'est-ce que le président a fait? C'était son problème. Les opposants resteraient là. Ils sont restés là en train de regarder qu'est-ce qu'il va maintenant faire. Et le président lui-même, dans sa tête, n'a même pas eu cette idée-là en disant que non. Bandekobo yana nous to vendre ensemble toute la Likambo. Likambo à guerre, par exemple, aujourd'hui. Aujourd'hui, le pays est en train de se basculer dans une situation où faudrait-il aller en guerre? Quelle est la solution à prendre vis-à-vis du Rwanda?
Et certains des journalistes commencent à dire que non, les opposants ne proposent rien, vous êtes là, tout ça. Nous nous condamnons nous-mêmes pour le fait que nous ne connaissons pas comment faire. Est-ce qu'il faut enseigner au président de la République qu'il faut demander à tout le monde de venir autour de lui? Ce n'est pas question de consultation populaire comme il l'avait fait pour l'Union sacrée, non. La chose que nous devons faire, c'est de prendre les gens qui viennent, qui se disent que non. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans cette situation? Quelle est la meilleure solution que nous pouvons... Quel est votre point de vue? Mettons-nous tout autour d'une table. Oublions d'abord nos différends. Parce que ici, c'est le Congo. Vous allez demander, vous allez dire que Fayou l'azo proposé, t'es à quoi proposer dans le cadre Nini. C'est comme ça, par exemple, que quand les opposants disent que non, tous on a nous compromis en dehors et à cadre constitutionnel par rapport à l'Ikambouaba, il y a une élection en 2023. Toyo Kanana, nous, comment est-ce que nous pouvons faire pour que tout résoudre l'Ikambouaba? Bisonyo soto tala na direction moko. Non! Le président pense que non, si lui ne dit pas donc, et l'Ikambouaba moko. C'est son problème, ce n'est pas le problème des opposants. Et en même temps, on dit aux opposants que bazo proposer nini. L'Ikambo état de siège, par exemple. Cette histoire d'insécurité à l'est du pays a trop duré. Faudrait-il toujours continuer à aller dans le même sens en disant que non, batunyo surtout binobo proposa kate, qu'est-ce que vous allez proposer? Dans quel cadre? Est-ce que c'est au Parlement? Est-ce que dans le Parlement, il y a un cas? Parce que kuna eza malikama majorité. L'opposition se sent que non. Même à toke kolobanini, ce qui majorité, kuna komi likamba ko voter, majorité koza, binomo binonde mtuboza likamba majorité, donc ça ne sert plus à rien. Eza kola kisa, comment est-ce que nous sommes encore vraiment nasima ya makambunyo so tout ozo koka koye bande nini ya ko dirige mboka na biso. Et donc, moi, j'ai réagi par rapport à cette situation du Rwanda. En principe, le président de la République, bon, exactement, montrer faiblesse, c'est quand même être appelé tout le monde en se disant, Bemba, Katumbi, Fayulu, Bamouzi, Toana, Batunyo, surtout Boyana, nous, Binonyo, surtout Batoba, Banane, y a opposition, tout ça. Boyana, nous, Tovana, ensemble, total, nanu. L'Ikambwa, Rwanda, Tokyo, Kosiri, Sangoneni. L'Ikambwa, sécurité à Est, Tokyo, Kosiri, Sangoneni. Toti, Kananu, Bamakambu, y a politique, Nabiso, Boye, Batoazo, Bunda, Boye, Toti, Kananu, Makambwana. Mettons d'abord cette histoire sur table. Comment est-ce que nous pouvons résoudre ce problème? C'est ça le problème. Initiative on faut ou est-ce qu'il faut que Katumbi a crié côté yemoko azali kuna? Est-ce que ba messieurs labé autant ou baza koloba loba kuna? Est-ce que ba koko ba continuer à koloba ngone comme si on était tozo bois kela na ba maloba oh mutwa loba kibo oh loba kibo oh azo combattre biso tout ça. Nous n'avons pas un point commun. Quel est notre point commun? Quel est le point que nous sommes en train de résoudre? C'est ça que nous sommes en train de nous poser comme question. Quel est le point de vue officiel de la CENCO, par exemple? C'était ça le moment où on se disait, nous devons prendre des mesures qui vont nous engager tous. Ce n'est pas un problème de Tshisekedi, ce n'est pas un problème à Ngamoko, et ça problème à présidence de la République, c'est un problème à gouvernement, c'est un problème de tout le monde. Et c'est là où nous devons voir la grandeur de nous Congolais en se disant nous sommes en train de chercher des solutions pour notre pays. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Bah, tout sous bazolo, bah, oh, bah, opposant, bah, proposant, kate. Quel est le cadre que l'opposant, l'opposition va se mettre avec le président de la République pour toloba? Likambo, to sunga nanango, nengo. Na bande koloba, na lobi. L'Ikambu mouke kaka ya consensus toyo kanakate. Nous n'arrivons pas toujours à des consensus, nous les Congolais, même au Parlement, même au Sénat, même au API, dans les institutions. Il y a des ce qu'on appelle dans d'autres pays des cadres extra-institutionnels ou batou, bah, qui ont examiné, bah, tali, bah, lobi, l'Ikambu, oh, ezali, boe. Mais non, l'opposition est ça, on est aux la caca, président ça la erreur. Et puis président est mort qui a reçu comme tu attends la moyenne l'état l'obité. Ce n'est pas faiblesse, c'est ce qui n'a bengi batu na bibaya pembeni nangai, to banana nous ko examiner makambo.
Makambo a Congo etali biso nyonso tu. Likambo a guerre a est ezat etali biso nyonso tu. Créons un cadre où nous pouvons discuter, où on peut se dire toye kosolo la likambo o ya ya guerre a est. Comment est-ce que nous pouvons terminer cette histoire? Likambo o to lingi to kota na guerre na Rwanda. Comment est-ce que nous pouvons faire ça pour que to silisa likambo yo? To zala kana cadre a concertation te. Est-ce que président ko ikolongola nanu ata nani wana te proud wana nesa koloba ke no? Eza likambo nanga moko te, zaka likambo nanga président de la République te. Eza likambo ya biso nyonso. Est-ce que tokiko benga na te vraiment to vanda to solo la, to dégager tel que non. Problème oyo il faut to silisa ngo boye. Ba congolais te, l'opposition est dans son coin mutu nyonso tu bazoze la kaka. Et l'opposition va dire que non, to oze la kaka 2023 a kende kaka parce qu'il ne connaît rien. Tokiko sala likambo moka o mutu moko te mutu akobongisa ngo. Mboka o ezali kambo ya biso nyoso tu. Mais maintenant c'est à nous de comprendre que non, ezali kambo a mandate, ezali kambo a peuple congolais. Bandeko, nous devons faire quelque chose. Qu'on aille en guerre, qu'on aille en état de siège ou quoi que ce soit, nous devons avoir sentiment à battre nyoso. Maintenant que la population a comme le sentiment que non, oh non, to sali sa nani far de sen abiso. Dans quel cadre tout le monde se lève, oh non, tu as 100 000 $, tu peux ça faire des. Il n'y a pas de coordination, il n'y a pas d'ordre. Mbongo na gera makandenge nini? Vraiment ça mawa. Et ça mawa. Président yemoko batu bakoyebi sene nini ko ba faire ko babongisa. Mbako pese makanisi na bango ndenge nini? Les opposants sont en train d'attendre bazozela. Bon, azo bunda na kuna community likambo za ya ye moko za mboka za ya ye. Mboko za mboka na biso nyonso bandeko. Nous demandons au président de la République abengi sa ba opposant na batu nyonso pembeni na ye les grandes ba leader oyo ya mboka oya kanisi ka ko vanda na bango asolola na bango likambo ba point culminant oyo tala mboka na biso. E likambo za ya Tshisekedi ye moko te. Et il faut qu'il comprenne ça. Ça, c'est un appel que nous lançons au président de la République. Le pays ne lui appartient pas. C'est il peut y avoir des gens qui peuvent avoir des solutions. Tant que soit à Basango, ba Kikoya, ba Pessier, solution à Malamu, pour Nakosil, Salikambo Est. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui sont en train de s'abonner. Nabatunyo, surtout Baza, qu'on encourage. Demain, je crois, nous allons encore faire une autre émission sur le phare d'essai. Nous avions déjà donné. Le pourquoi est-ce que nous ne voulons pas à ce que Toto Loba tous supporter faire de ces réactions à la qui m'accasse batuba bon ba fingi ba lobi tenga naza nani mais pendant que les faire de ces baza koboma biso ça c'est le sujet de contact pro live que nous allons lancer demain. Merci, portez-vous bien et encore nzamba salisa mabota na binonyos. Merci, au revoir.